Mais où est passée Julie? Peut-être sur cette étagère, peut-être par terre? Ah, que coucou! oui, alors bonjour. Alors attendez, je sors de ma porte. Attendez. Hop là. Ok. Oui, alors ceci est une grosse porte. Et derrière cette grosse porte, il y a ma bibliothèque. Pour ceux qui n'ont pas suivi, ça fait un milliard d'années que je n'ai pas tourné de vidéo. Et donc celle-ci, c'est la première que je tourne dans ma nouvelle maison. Donc youpi! Donc j'étais en train de commencer à mettre mes décos, mes livres, tout ça. Et je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être l'occasion d'en faire une petite vidéo. Surtout que, bon bah, c'est pas trop compliqué à faire, ça va. Je vais le mettre en timelapse et puis vous pourrez apprécier moi en train de mettre des livres dans une bibliothèque. Mais voilà, c'était histoire de reprendre un peu le devant, de me remettre devant la caméra et reprendre les bonnes vieilles habitudes comme on dit. Donc j'espère que vous allez bien et on se retrouve du coup à la fin de la vidéo. Je pense que je ferai peut-être une outro pour vous montrer les bibliothèques. Mais d'ici là, bah, bonne vidéo! 12 secondes plus tard. Alors si vous voulez, vous pouvez venir voir ma bibliothèque. Mais en fait, je peux pas l'ouvrir comme ça parce qu'en fait la porte elle s'ouvre comme ça. Si vous voulez, je suis à l'envers. Ma blague ne marche pas. Donc faut que je le fasse à l'envers. Tadam ! Non. Bon alors voilà, donc là j'ai tout foutu en vrac, parce qu'en fait je me suis rendu compte après dans le timelapse que je vous ai fait que vous ne voyez pas grand chose. Moi ma question c'est comment ça tenait avant, hein? Parce que là c'est moche, il n'y a rien qui va, il faut que je prenne vraiment le temps de le refaire. Et ce sera hors cam parce que grosse flemme en fait, j'ai la dalle. Et il me reste cette partie là, attention. Voilà ma petite partie pour les mangas, qui avant étaient à côté, si les vrais se souviennent. Sauf que bah là, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas la place en fait, il y a cette magnifique porte. Donc, hop, c'est parti les amis, on passe au manga, j'espère que ça va tout tenir. Sinon, bah tant pis pour moi, qu'est-ce que vous voulez. Que cette vidéo est la moins satisfaisante à regarder du YouTube game. Là ça ne va pas du tout en fait. Comment je vais faire, je ne sais pas, je ne sais plus. Il faut vraiment que je me rachète une bibliothèque parce que là en fait, vu qu'il y a cette fenêtre magnifique, en fait je ne peux pas mettre ce meuble là, ce petit meuble magnifique ici à sa place là-haut. Donc je n'ai pas assez d'espace de rangement. Surtout que je n'ai pas récupéré un meuble. Enfin c'est un meuble. Un meuble en carton. Que je suis censée vous présenter dans la vidéo. Que je vous ai dit qu'elle était presque prête. Donc en fait il y avait des mangas qui allaient dans ce meuble. Et que là, bah ils sont là. Alors écoutez, il va se passer... que je vais laisser ça comme ça, magnifique, j'adore, vraiment là mon esprit un petit peu perturbé là va vraiment pas passer un agréable moment, mais en fait il faut vraiment que je prenne le temps d'agencer tout ça, je pensais que ça allait être plus simple mais pas du tout, et il me reste ces petites figurines ici à mettre là et comment je vais faire quoi, ça va pas être possible, je les aurais bien mises ici, mais en fait ces petites étagères sont pour l'instant pas très solides.
Le boyfriend, il a dit non, il faut rien mettre dessus. Donc, comme vous voyez, j'ai bien respecté ce qu'il m'a dit. J'ai bien, bien respecté ce qu'il m'a dit. Mais bon, c'est des trucs légers, c'est bon, ça va. En attendant, bah, que faire? Que faire? J'ai envie de pleurer de voir ça. Écoutez, je vais faire l'outro et on en reparle après. Peut-être que je ferai une vidéo de moi en train d'y ranger correctement sur les réseaux sociaux, sur Instagram, hein, si vous me suivez pas encore. Allez, je vais faire la outro, c'est mardi. 6 mois plus tard. Alors à la base, je voulais terminer la vidéo en mode bas les steaks et je vous laisse comme ça. Entre-temps, je me suis résignée. Mais donc derrière, là, c'est toujours pas rangé, mais c'est pas ça que je voulais vous montrer du coup. Je voulais vous montrer les mangas que j'ai réussi à rangé, non sans mal, hein. Il faudra être gentil avec moi. Et c'est provisoire, hein, bien sûr, parce que en fait le but c'est que j'achète eh ben, une vraie bibliothèque. Voilà, alors attention, je vous montre ça. Alors voilà, donc la petite bibliothèque avec les mangas que j'ai fait tenir comme j'ai pu. Et nous avons bien évidemment, El Magnifico. Meubles façon librairie. Donc voilà, j'ai mon petit espace ici. Je verrais bien un petit pouf juste ici. Ce serait pas trop mal, je pense. Voilà. Donc je ne vous laisse pas regarder par ici parce que, oh mon Dieu, ce n'est toujours pas rangé. Mais voilà, profitez de ce magnifique espace. Regardez-moi cette beauté incroyable. Bon, et eh bien voilà. Voilà, cette vidéo, c'est bon, c'est la fin de la vidéo. Vous pouvez partir. Parce que là, sinon, je vous laissais avec une outro en mode oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Quoique, je peux vous laisser des petits extraits. Allez, c'est parti et à bientôt! Salut! Quelle catastrophe! Oui, alors bah, il se trouve que du coup, c'est un raté, hein. Il va falloir que je reprenne tout. Là, j'ai devant moi mes mangas, mais au secours quoi. Là. Je vois les piles comme ça, j'ai fait n'importe quoi. J'aurais pas dû commencer en ayant faim. Parce que là, évidemment, évidemment j'ai faim, évidemment je vois tout ça, évidemment j'ai la flemmasse de faire ça. Mais mon esprit un petit peu maniaco-dépressif là, il apprécie pas trop ce qu'il voit. Bon alors, en plus je vois pas ce que j'ai derrière moi, mais heureusement. Parce que là, il y en a, ils sont à côté de trucs, c'est même pas la même série, enfin. Il n'y a rien qui va, mais vraiment, c'était juste pour me remettre devant la caméra. Je pense que cette mission est réussie, bravo à moi. Bon, bah, portez-vous bien. Désolée pour cette vidéo, c'est pas du tout satisfaisant à regarder. J'espère que tous ceux qui font des arrêts cardiaques comme moi en voyant typiquement ce genre de vidéo, vous allez quand même bien. Bon, bah, sur ce, bonne fin de journée, bon début de nuit et à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!